Bonjour les chéris, c'était une dernière vue sur notre chez-nous provisoire. Aujourd'hui, on décolle, on s'en va. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On attend que la voiture passe. Voilà, la voiture est passée. Et on va chez Chrissa, faire un briefing. Parce qu'aujourd'hui, on a des petites choses à faire à droite et à gauche. Et on se retrouvera en fin de journée. Allez, on va au briefing chez Chrissa. Non, non, on ne peut pas filmer. Domino décide d'aboyer. Bon, on va faire le point toutes les deux de la journée. Ça y est, me voilà à contre-jour chez Chrissa. Voilà, là je crois que je suis un peu moins à contre-jour. Chrissa dans le fond et Domino qui s'est calmé. Hein, petite bête. Mais oui, hein. Entre nous, hein, voilà. Coucou, voilà. Il est là. Donc là, ben... Comme d'habitude, on voit un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Elle va partir de son côté à la poste. Oui, oui, je vais au bureau de poste. Parce que j'ai une... Ah, normalement, j'ai un colis qui est arrivé au bureau de poste. En poste restante. Et puis, j'ai un courrier à envoyer aussi. Il faut enfin que j'envoie mes tickets de caisse, de médicaments, des pharmacies au Portugal pour me faire rembourser par la Sécu. Vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur la santé, c'est ce papier-là qu'elle va envoyer pour l'étranger. Vous avez les liens dans le tuto nomade. Voilà, j'ai joint tous les tickets de caisse et je joins aussi l'ordonnance qui de toute façon n'a plus d'utilité pour moi. Donc parce que j'ai marqué remboursement, parce qu'en fait c'est tout ce qui est dans le papier là, enfin sur le formulaire, c'est pour les soins. Oui, voilà. Hein? Donc moi j'ai marqué... Bon, comme raison des soins médicaments selon ordonnance. Et je joins l'ordonnance. Mais de toute façon, ça marche hein, quand sont des ordonnances, etc. Oui, oui. Bon, oui, ensuite, tu vas faire une procuration. Elle n'a toujours pas fait faire sa procuration. J'ai toujours pas fait recommander du courrier de voyageur. Parce que oui, on peut avoir une procuration avec le courrier du voyageur. Ouais. Il réceptionne les recommandés avec accusé, etc. Moi, ils l'ont fait pour ma carte bleue, pour mon code secret, pour tout, et c'est vraiment excellent. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Donc c'est vite fait, ça se fait en bureau de poste, mais que en France. Tu vas faire ça. Moi, je vais à Bricot, dans les magasins de bricolage, pour trouver impérativement, avant de passer à la frontière, parce qu'on a des doutes sur l'Allemagne, ce sera plus facile en France. Moi, je m'occupe du filtre pour les bonbonnes de GPL. Oui, parce que, gaz en général, GPL, mais le GPL semble plus se salir. Donc moi, ma mission aujourd'hui, c'est de trouver... Votre mission, si vous l'acceptez... Trouver des fils de gaz. Bon, tant pis, c'est ma mission. Bon, sinon, j'ai pas collé encore mon coude à ma vidange d'eau grise. Non. La flémardise a été plus forte que moi. Bien. Par contre, je me suis fait vraiment plaisir. Ah là là, j'étais super bien. Il a plu. Alors, vous allez vous dire, non. Mais non, j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau toute seule dans l'étang. L'étang, rien que pour moi. Et il a commencé à pleuvoir à fond, à fond. Ah, j'ai failli sortir de l'eau, puis non, je suis restée dans l'eau. Alors, j'avais mon bain dans l'étang et la douche de la pluie. Heureusement, c'était super bien. Heureusement qu'il avait que la pluie, pas d'orage, parce qu'orage, t'aurais pu sortir de l'eau, hein, c'est clair. Non, mais attends, je suis pas folle. Et heureusement qu'il n'y avait pas la grêle, et heureusement qu'il n'y avait pas une tornade, et heureusement qu'il n'y avait pas le monstre du Loch Ness, et heureusement que. C'est bon, quoi. Allez, attends, j'ai pas envie que tu te prends la foudre sur la tête, quand même. Moi, j'arrêterai d'être frisée. Je vais crier comme ça. Non, mais franchement, c'était super génial. J'en ai vraiment beaucoup profité. Ouais. Ouais. Même toi, t'as réussi à te baigner. Oh, ben moi, je me suis baignée déjà il y a 2 ans ici. Oui, mais bon, super... je te parle de maintenant. Oui, pas d'il y a maintenant deux ans. Aussi, je me suis rebaignée, bien évidemment, parce que non, elle est super agréable. Non, mais il y a 2 ans, moi, c'est chaque jour que j'aimerais me baigner. Hein. C'est pas il y a 2 ans, non, non. Il y a 2 ans, alors. Mais arrête de moquer de moi. Non, jamais. Jamais. Après, vous rendez même pas compte comment elle me mène la vie dure, quoi. Oh, c'est ça, bien évidemment. Donc, aujourd'hui,
Direction Haguenau, donc ouais. Bah, on revient en France. Obligé. Par non, la force et les choses. De toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. On va rester quelques jours, le temps de réceptionner encore des trucs. Alors, pour madame, bien sûr. Non, pour nous deux. Pour nous deux, parce qu'en fait, c'est la suite du colis disparu que j'ai jamais reçu. Et on a perdu de l'argent, là. On a perdu de l'argent, ouais. On a perdu dans les 40 euros, parce que ça a été dans les 40 euros le prix qu'on a payé. Redis le site pour bien les casser. Alors, moncampingcar.com. Ouais. Impossible de le joindre, toujours pas, j'ai toujours pas réussi à le joindre. Le SAV. Hier, j'ai encore tenté une fois. Il avait un message vocal me disant « En raison d'une grande arrivage des articles, ouais, le non, standard est fermé quoi. Jeudi et vendredi. » Mais bon, en tout cas, vous êtes plusieurs à avoir eu des problèmes avec ce site. Ouais, ouais. Donc, nous, on le décommande vraiment fortement, ouais, suite à notre expérience, ouais, et suite à vos expériences à vous. Donc, il me semble que ce soit assez aléatoire avec, ouais, ce site. Hein. Ouais. Bon, et puis, j'ai pas de nouvelles du transporteur non plus, TNT. TNT, voilà. Oui, il y en a un parmi vous qui nous a raconté. Lisez les commentaires. Ah oui, non, mais c'est... J'ai trouvé que tu as raconté d'une façon très amusante ton expérience avec TNT. Donc, vraiment, ouais, lisez son expérience, ouais, 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 à cet abonné qui a attrapé au vol dans la rue. Voilà, le livreur. Qui a, voilà, le camion qui l'a suivi. Ah, c'est génial. Non, mais vraiment, lisez mais son commentaire. Mais au moins, toi, tu as eu ton colis. Hein. Moi, je ne sais toujours pas où il est mon colis. Parce que suite à mon coup de fil hier chez mon camping-car qui n'a pas abouti, j'ai tenté de contacter TNT, j'étais en contact avec une jeune fille qui s'appelle Emily, qui était très, très sympa, qui a promis de faire le maximum. Sauf que là aussi, ça fait une semaine que j'attends des nouvelles, j'ai pas de nouvelles. Donc hier, j'ai tenté d'appeler ce numéro, Emily. Mais là, bon. Ce numéro n'est pas attribué. Voilà. Non, non, mais c'est incroyable, hein, le livreur, bon, qui débauche, ah, le jour vrai même, la fille, le numéro n'existe pas, enfin bon. Etc. Bon, sinon, dans les aventures aussi, bon, moi aussi, j'attendais un colis. Finalement, j'ai été remboursée. Oui. J'ai même pas une mail. On m'a remboursée, mais au directement moins. Déjà, on m'a remboursée. Donc, je verrai dans quelques temps pour une autre fois. Bon, ouais, moi, du coup, après, c'est que de la technique, hein, qu'on attend. Ouais. Les adaptateurs pour, ouais, la bouteille en targaz. Ouais, voilà, filtre pour le GPL et gaz, tout gaz, simplement. Pour les bouteilles GPL, de gaz, ouais, mais bon, ouais, ouais. J'ai tellement l'habitude qu'on soit sur GPL, ouais, que bon. Et puis, on va faire les magasins, bien évidemment. On va faire quelques magasins. On va, ouais, regarder un peu comment il y a à Haguenau. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'on est déçu? Non, parce que là, ça m'a fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait du bien de me détendre ici ou là, dans l'étang. Au bord et dedans. Voilà. On a fait des jolies rencontres encore. Oui, aussi. Donc, ouais, c'est vraiment très, très c'était sympa. Sympa, ouais. Et là, ce matin, eh ben, on s'en va. On s'en va. On est arrivé lundi. Oh, si tu veux. On est samedi aujourd'hui. Voilà. Moi, je note sur mon calendrier, moi. Ah ben, moi je sais lundi parce que c'est le jour où je passais le contrôle technique. Voilà. Donc on est parti. Oui, qu'on était folle de joie de partir, ouais, de Fessenheim. Ouais, ouais. Même, yes, si Fessenheim aura été très très très, ah, bien. Ah oui, mais j'ai rien contre Fessenheim. On a fait de très belles rencontres aussi à Fessenheim. Mais bon, en fait, on est resté 3 semaines. Ouais, ben quand même. J'ai regardé sur le calendrier, on est resté 3 semaines. Non mais c'est quand trop, même, c'est trop. C'est trop. C'est bon, c'est trop. C'est bon. Bon allez, cette fois-ci, on y va. Go, allez, go, go. Ça y est, Cassie et moi venons d'arriver à l'aire de camping-car de Haguenau. Alors, brico-dépôt, tout ça, pas trouvé, filtre à gaz,
savais même pas que ça existait. Donc bon, tant pis, pour l'instant, on laisse courir. On s'est rejoint avec Rissa dans un magasin. Et on a fait quelques petites courses. Là, maintenant, elle s'achète à manger. Ouais, on a été dans un Action. Alors, si tu veux, je te ferai voir un petit peu ce que je me suis acheté. Hein, le petit haul court de Action. Voilà. Alors, cette aire de camping-car est toute neuve. On vient juste de la voir sur Park4Night. Elle n'a pas été encore validée. Je pense qu'elle a été mise là par l'Office du Tourisme. Donc, on voit bien qu'ils nous ont fait 5 places. Comme c'est dit sur Park4Night, il y a juste là une borne d'électricité. Voilà la borne d'électricité, donc 4 prises, 5 places. Bon, ça, c'est pas grave. Si on tombe sur des gens comme moi qui n'en ont pas besoin. Alors ensuite, pas moyen de liquide, que par carte et par passage. Hein. Vous savez, le truc, je ne sais jamais comment on appelle ça. Le truc, je m'en sers jamais. Et il n'y a pas les tarifs, donc je ne peux pas vous dire. Et là, il y a l'arrêté qui est accroché au poteau, au réverbère. Et c'est daté du 13 juin. Donc on voit que c'est tout nouveau, tout neuf. Hein. En cas, des jolies tables. Je regrette un peu. Bon, c'est tout nouveau, hein, mais si la commune entend, bon, il n'y a que des petites poubelles. Là, c'est un terrain de sport juste à côté. Donc les poubelles doivent être très sollicitées. Donc peut-être un peu plus de poubelles, c'est tout. Par contre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vidange. Hein, je le précise bien. Il y a une autre aire de camping-car à Haguenau où on va sûrement se rendre parce qu'on va devoir rester un petit peu ici. Et là, il y a vidange et eau. Donc là, on ne râle pas, c'est calme, c'est pratique. Bon, bah écoute, je pense pas qu'on va rester, non, non. On ira surtout à l'autre, c'est-à-dire celle-là, cette aire-là, elle est pratique parce qu'elle est juste à côté du centre de Haguenau. C'est surtout ça. Tiens, et voilà Miss Crissa. Avec la musique habituelle de Domino, qui nous dit des grands waf-waf. Ça y est, t'arrives. Ça y est. T'as fait des courses? J'ai fait mes courses, j'ai fait un peu de gasoil, purée, mais quelle histoire pour arriver chez Auchan. Parce qu'en fait, du côté donc je suis arrivée, il y a un passage sous la route. Sauf que quand tu es déjà dans la sortie, juste avant d'arriver, c'est marqué 2,60 m. Ah, c'est un petit peu de just, hein. C'est un peu just. Et comme j'ai pas envie. Un week-end, un camping-car qui t'a suivi. Ouais. Et comme j'ai pas envie de transformer Foxy en cabriolet. Non, c'est pas bon. Bon, voilà. J'ai trouvé un peu de just cette aire de camping-car. Il n'y a que l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de vidange, mais, ouais, c'est, mais on est prévenu. C'est tout voilà. Beau, tout neuf, ça vient d'être installé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Il y a même l'arrêté collé après le réverbère. Ouais. Voilà, ouais. Bon. Mais en tout cas, ils nous ont mis des jolies tables toutes neuves. Ouais, c'est tout beau, tout neuf. C'est pas plus chouette, là aussi. Un petit bout de hall course. Donc, Crissa a pris une toute petite boîte de gâteaux sucre riche. Je ne sais même pas ce que c'est. Combien t'as payé ça? 3 euros. C'était chez... Assortiment, chez Norma. Ouais, assortiment de gaufrettes fourrées à la pâte de guimauve enrobées d'un glaçage VGKO, d'un glaçage blanc et partiellement saupoudré de noix de coco râpée. Oui, partiellement. Voilà. Ouais. Partiellement. du pur chimique. En fait, je l'ai acheté que pour avoir le seau, hein, bien évidemment. Je n'ai pas acheté pour les gâteaux. Allez, on va goûter ça. Open, c'est marqué là, open. Donc théoriquement, ça doit s'ouvrir. Il faut un diplôme pour ouvrir les boîtes, on le sait. Ah oui, il faut au moins bac plus 2. Du poison. Du poison sucré, gras, chimique. Attention, fermez les yeux, ça peut choquer. Ne nous engueulez pas. C'est la première fois que j'achète un truc comme ça, franchement. T'as dû vraiment aimer la boîte. Hein. Ah oui. Bon, allez. Alors, quand tu vois tout ce qu'il y a dedans. On ne veut pas vous choquer. Non, tais-toi. Tu vas les choquer. Nous allons être transformés en E.T. vert, bleu, noir, blanc. Ici, regardez, c'est ce que je trouvais là.
Les retrouvailles. Je sais pas qui c'est qui a mis ça. Pour une fois que c'est pas une vulgarité. Ouais. Donc alors. Alors. Deux voilà. Pelotes, 3,98€. Je vais sûrement me faire un snood. J'aime beaucoup les couleurs. Ouais, je vais faire ça au crochet. Ouais. Sûrement. Il faut que je commence à. Il faut que nous commencions à penser à l'hiver. Ensuite, des cacahuètes. Ah, très important. Alors, les cacahuètes que tu vas mettre ça, avec les brocolis. Voilà. Alors, donc, bon, avant qu'elle me coupe la parole, parce qu'il n'y a pas moyen de la faire taire. Non. Donc, alors, je les ai payées, je ne sais plus combien. 99, non il Ouais, je crois que c'était ça. Ah, ben, ouais, je les retrouve même pas. Ah, si. Je sais pas. Ouais, 99 centimes. Ouais, c'était ça, ouais. Donc, moi, je. Alors, faut faire attention, parce qu'elles sont grillées salées. Oui. Ne pas rajouter de sel. Oui. Mais j'ai mis, par exemple, dans des salades. D'accord. Quand je fais un taboulé, des salades un petit peu comme ça. Ouais. Ça met un peu de croquant et c'est bien agréable. Ouais. Voilà. Ouais. Mais attention, je répète, ne pas resaler, parce que c'est quand même pas mal salé. C'est pas mal salé, ce genre de choses, ouais. Alors, je me suis acheté des verres en verre. Joli. Des vrais verres en verre. Très joli. Donc 1,99 les 3. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, j'avais des verres en plastique. Oui. Et le souci, c'est déjà, c'est du plastique, c'est pas forcément bon non. à l'usure. Non. Et puis ensuite, j'ai fait la bêtise. De temps en temps, je me bois une ou deux gouttes d'huile essentielle, de mandarine, de citronnier, etc. Et ça altère le plastique. Donc, c'est encore plus nocif. Ouais. Donc là, j'ai investi dans 3 vrais verres. Voilà, très fins, grands. Comme ça, même en été, on pourra se mettre une paille dedans pour se boire des trucs sympathiques. C'est très joli. Voilà. Ça, alors je vais voir ça d'abord. Ça, ce sont des toiles sur carton parce que je peins. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas peint. C'est vrai. Et là, j'aime bien cette formule parce que il n'y a pas le bois avec, et donc ça prend moins de place. Ça prend moins de place, et c'est, en voilà. fait, c'est exactement la même chose, c'est la même matière. Oui. C'est la toile collée hein, ouais, dessus, ouais. Voilà, c'est plaqué, c'est très pratique. On peut faire de l'acrylique dessus, on peut faire plein de choses. Et j'ai acheté des enveloppes pour si jamais, voilà, si je veux envoyer à ma petite maman ou à d'autres personnes. Ouais. Ah oui, ça c'était 1,49€. Les 1,49€ les 3, ouais. Donc 2 x 1,49€. Et ça, par contre, c'était pas cher du tout. C'était 1,99€ les 3 enveloppes. Ah oui, mais elles sont renforcées. Ah oui, elles sont avec du papier à bulles. À voilà, ouais, exactement. Ça, ouais. Et j'aime beaucoup. Okay. Oh, sinon, un petit plaisir. Des gâteaux à noix de coco. Ah, non, ça, c'est bon. Ça, c'est pareil. C'était à 89 centimes. Ouais. Voilà, il y en a 6. C'est bien. Ça va me faire un petit moment. Ouais. Un carnet indispensable à 54 centimes. Je suis que... une folle de carnet, c'est ma mémoire, je note tout pour rien oublier. Oh, sinon, ça aussi, très très bien. Pour le kiki, c'est-à-dire micro, entre autres. Entre autres, 95 centimes quand même les 8. Alors ça, c'était le prix du jour, on a toujours, lithium. On a toujours besoin des piles comme ça. Ouais, pour micro, etc. J'en ai besoin. Ouais. Et la dernière chose, alors c'est du L'Oréal. Oh, c'était à 2 euros. C'est pour ta tête. C'était à 2 euros et quelques, 3 euros. Ouais. Donc là, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Non. Parce que moi, je le fais toute c'est seule. C'est beaucoup plus cher. Oh, oui, ça, oui, c'est oui. Ça, t'as ouais. Les 7-8 euros. Surtout dans les L'Oréal ou les Schwarzkopf, ils sont beaucoup plus chers. Il faut compter plutôt du côté des 10 euros, voire plus. Je pense. Ah, mais voilà, je me et suis fait voilà. plein de plaisir. C'est bien. À vous, très chers amis. À moi. Allez. Alors. Allez, à toi. À moi. J'ai trouvé enfin un brodo en bambou qui rentre pile poil dans la porte de mon frigo. Et ouais, elle a pas récupéré un pichet de chez Flunch que quelqu'un avait piqué et qui me l'a donné. Voilà. Ah, combien t'as payé ? 1,5 litre, 3,69€. Voilà. Pour du bambou, c'est un prix tout à fait correct, hein, parce que le bambou, normalement, c'est beaucoup plus cher. En fait, je devrais lui piquer, parce que ça va exactement avec mes assiettes en bambou. Attention à toi. T'as de la chance, je suis pas intéressée. Ouais. Et donc, les petits gâteaux.
gâteau. Amande. Ouais. Approche un peu le micro là. Tu es trop loin avec le micro. Les petits gâteaux de... Non, non, mais le micro, il fonctionne très bien, vous inquiétez pas. 69 centimes. Aux amandes, 69 centimes. Ils sont moins sophistiqués, ils sont tous simples, c'est bien. Ah. Ensuite... Je me suis trouvé la laine aussi. Une pelote en rose. Et une pelote en rose, encore plus rose. Pastel, encore plus pâle. Pastel, voilà. C'est... Oula, cette bête-là. Alors, c'est 2,99 la pelote. Et avec ça, je veux me faire un snood avec le tricotin parce que la laine, elle est super bien épaisse. Donc, avec le tricotin, une laine épaisse, avec le gros tricotin, laine épaisse, c'est mieux. Donc, voilà. Ensuite, on continue de préparer l'hiver. Ça, André l'a acheté que des cacahuètes pour mettre dans son, avec son brocoli. Moi, j'ai acheté des noix, plusieurs noix avec des raisins secs. J'adore ça. Une poignée comme ça, ça vous donne la force. Ouais, ça fait du bien. C'est super bon. Je mange ça au lieu de manger un gros dessert hyper costaud. Quelques poignées de ça, c'est super bon, ça me tient... Alors, moi, il y a une façon aussi que j'utilise ces mélanges. Je coupe quelques fruits et j'en mets un peu. Ouais. Et donc, ça fait un dessert plus consistant. Ouais, voilà. Aussi, ouais. Et ça agrémente... Parce que moi, comme je rajoute jamais de sucre dans mes salades de fruits, voilà. Ouais, avec une salade Combien de fruits. Combien t'as payé ça? 99 centimes. Voilà. Ensuite, des mini sacs poubelles de 10 litres pour ma cuisine. Voilà. J'ai payé sac poubelle avec lien de fermeture, 1,15€. Voilà. Oh. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a au fond? Ah oui, les boîtes. Ah, des boîtes. Des boîtes. Trois boîtes. Si j'arrive bien à les... Je sais pas, chez vous aussi, quand vous voulez défaire les boîtes neuves, ça colle aussi, là, comme ça, là. Avec des couvercles. Ouais, c'est mieux avec des couvercles. C'est mieux avec des couvercles. Allez, hop, ça marche. Et toujours transparente, hein. C'est vrai que c'est vachement pratique. Et toujours transparente, hein. Voilà. Voilà, super. Tac. Comment t'as payé? 62 centimes pièce, ouais. Avec le couvercle. Ça, c'est sympa. Donc, hop, tac, tac. Et voilà, 1, 2, 3. Parfait. Waouh. Voilà. Elle a réussi le diplôme d'ouverture et de fermeture de boîte. Ouais. Et ensuite, le plus gros, le plus joli, vous allez voir. Deux jolis tapis. Regardez. Waouh. Voilà. Au cœur de l'hiver, ça donnera de la gaieté chez elle. Yes. Parce que c'est vrai que son sol, il est un peu tristounet. Hein. Des flammes. Ouais, il est surtout pas très pratique. Et un autre. Que avec des feuilles. Voilà. Ça pète. Combien t'as payé ça alors? Alors, combien j'ai payé ça? Tapis 3,95 pièces. Voilà. Et en plus, ça passe à la machine. Donc, ça, c'est pratique. Et en plus, ça passe à la machine. Ça fait 60 sur 90 cm et c'est du coton. Ouais, nous, on fait toujours attention que ça passe aussi à la machine. Donc parce que comme ça, ça dure plus longtemps. 100% coton, voilà. on peut les laver, c'est parfait. Haute course terminée. Non, mais chez Action, c'est vrai que c'est un magasin que je connais pas bien. Ouais. Je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup en France, mais bon, voilà, c'est sympa. Oh, si, ça voilà. Commence à être pas mal, ouais. Et puis, il y a beaucoup en Allemagne aussi. Si, ça commence. Bon, il y en a d'autres, hein, quand même. Hein. Vous avez les Jiffy, vous avez plein de choses comme oui, ça. Bon, chez Jiffy, il n'y a pas des trucs à grignoter, à manger comme ça, c'est tout. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez sympathique. Ouais. Allez, all course terminée. All course terminée. Thank you.
Bon, on a changé d'endroit dimanche. Moi, je suis arrivée en fin de matinée, Christa est arrivée en début d'après-midi. Nous sommes dans un village qui s'appelle Hatton, un truc comme ça. Je n'ai pas trop l'accent. Donc, on est à peine, à quoi, même pas 30 km au nord de Haguenau. On reste dans le coin parce que Christa attend encore des postes restantes. Elle a mis juste à la frontière allemande. Et puis moi, après réflexion, parce que ce décalage de contrôle technique entre nos deux camping-cars, ça nous embête parce qu'on ne peut pas rester plus d'un an à l'étranger, parce qu'il y en a toujours une qui a le contrôle technique. Donc c'est pas grave, je vais perdre un an. Bah oui, mais j'ai pris rendez-vous là à Hatton, il y a un contrôle technique. Donc je vais faire le contrôle technique tout de suite. Comme ça, tant pis, oui, je perds de l'argent, oui, je perds du temps. Tant pis, comme ça, on aura nos deux camping-cars en même temps au niveau du contrôle technique. On sera synchrone et on pourra s'absenter plus longtemps de la France. Voilà, ce qui sera quand même plus sympa. Donc, pour l'instant, la Miss Crissa, ben, elle dort. Nous sommes lundi matin. Il fait pas super, super chaud. Nous sommes juste à côté du musée de l'Abri, parce que bien sûr, on est sur la ligne Maginot. Et c'est une vraie aire de camping-car sur l'herbe, parce que là, tu vois, il y a pour faire toutes les ablutions. Tout, tout, tout. Donc la vidange. Et puis, voilà. Euro-relais. Voilà, c'est gratuit, il faut pousser. Il faut avoir un adaptateur pour le tuyau, c'est tout. Alors, on voit pas là, mais je vais te faire voir depuis mon camping-car, on voit les avions et tout de guerre. C'est pas trop trop mon truc, mais bon. Et qui voilà? Mais oui, mademoiselle Cassie, on se réveille, hein? On n'est pas encore au top top. Voilà la vue depuis mon camping-car. Bon, c'est pas trop mon truc, même pas du tout mon truc, les engins de guerre et tout. Mais bon, voilà. Comme on est à côté du musée, qui sont dehors. Alors, si ça t'intéresse, sache qu'il y a un musée par là. En tout cas, il y en a plein. Hein. Il y en a plein par ici, c'est normal. L'Imagino, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses faisant référence à l'Imagino, les lieux à visiter, etc. Hein, ici. Hein. Mais Chrissa t'en parlera sûrement. Allez, je vais aller boire ma chicorée, finir de me réveiller. Parce que là, vraiment, j'ai fait la vidéo parce que je voulais vite, vite, vite mettre en ligne pour vous faire un tout petit coucou à tous. Tant pis, Chrissa vous fera un gros coucou la prochaine vidéo.